C'est ce bâtiment situé à HLM Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar, qui fait office de bureau pour de jeunes étudiants. Ils ont développé une start-up, le Retrouveur, qui permet au public de retrouver rapidement leurs pièces administratives perdues. Au début, on partait sans avoir de repères. On partait dans les quartiers. Par exemple, on part à Pékin. Et à Pékin, on essaie de voir les grandes artères. On demande, est-ce qu'il y a un lieu de collecte de pièces ramassées ici? Des fois, ils nous disent pas loin. Des fois, d'autres ne connaissent pas. Mais avec un effort inébranlable et sans faillite, nous avons découvert certains lieux de collecte nous-mêmes. Et d'autres collectes, et lieux de collecte, c'est des gens qui nous ont indiqué. En un clic, cette plateforme peut aider aux populations de reprendre possession de leurs documents perdus en payant 3 000 francs CFA pour la récupération. Toutefois, l'équipe du Retrouveur travaille sans l'agrément des autorités administratives, ce qui rend souvent difficile la collecte. Des fois, avec plus d'attention, nous verrons ces pièces-là et nous les ramassons. Nous collectons, nous saisissons ces pièces et nous les publions. C'est comme ça que aussi ça se passe des fois. L'agrément va nous permettre de travailler avec l'administration centrale, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Ils sauront que nous sommes officiels. Nous sommes maintenant encadrés par le ministère de l'Intérieur, que nous pouvons travailler en parfaite confiance avec ces structures. Depuis sa conception en février 2018, cette start-up a permis de ramasser plus de 1000 pièces administratives dans la capitale sénégalaise et sa banlieue. Près de 300 sont livrées grâce au partage d'informations sur les réseaux sociaux.